Alors les amis, alors aujourd'hui, présentation d'une pièce exceptionnelle. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. J'ai mis plus de 2 ans pour la choper parce que les prix ont énormément augmenté. Et bon, ici encore une fois, j'ai mis le prix aussi pour la voir, mais je suis tellement fan de ce film que je voulais vraiment la voir de la meilleure qualité possible. Alors, sans plus tarder, juste après le générique, tu vas voir quelque chose de magnifique. Un travail dessus là. Une petite pépite. Allez, on se retrouve juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Fire State, screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, I just... Well, she wrecks me. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai, moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Nom de Dieu. Et re les poteaux. Donc aujourd'hui, présentation d'un steelbook qui devient extrêmement difficile à trouver. Sauf si tu mets le prix, bien sûr. Moi, bon, ici, j'ai mis le prix parce que j'avais envie de l'avoir et donc, du coup, bah, je me le suis offert pour Noël. Hop, attends, je vais glisser ça vite fait. Voilà, car il était sous blister. C'est pour ça aussi que je l'ai payé un peu plus cher, mais je préférais mettre un peu plus le prix et l'avoir sous blister pour être sûr vraiment qu'il n'ait pas de défaut, qu'il n'ait pas de griffure et tout. Donc, je te présente aujourd'hui le Blu-ray Steelbook de Jumanji avec un travail d'embossage et de débossage, mais vraiment magnifique. C'était quelque chose de fou furieux. On va décoller les petits macarons. Voilà. Alors celui-ci, dedans, tu vas voir, il y a un petit truc un peu spécial. On parlera des specs et tout ça du film juste après. Donc voici le Blu-ray, comment il se présente, enfin le steelbook plutôt. Regardez-moi le travail qu'ils ont fait dessus, parce que tout ça ici, c'est tout sculpté, c'est que de l'embossage, du débossage, le Jumanji, c'est pareil. Ici, là, c'est tout lisse, hein. Ici, là, c'est un peu lisse. Là, ici, on a un travail, un petit peu de travail ici, juste ici en dessous. Mais sinon, les dessins ici, là, sont lisses. Dommage, j'aurais bien aimé qu'ils fassent en débossage aussi, enfin, la même chose que les feuilles et tout, mais malheureusement, ici, tous les quatre coins en fait sont lisses, mais là où il y a vraiment du travail, c'est ici, hein. Au niveau des feuilles et au niveau du Jumanji, comme tu le vois, je sais pas si on le verra bien, mais tu vois, c'est un petit peu en relief et tout. On a une imitation bois derrière aussi, qui est quand même assez bien foutu, je trouve. Hop, quand on l'ouvre, on arrive là-dessus. Donc au-dessus, on a le Blu-ray avec le film. Le deuxième disque, c'est les bonus. Et ici, on a un petit cadeau qui est plutôt sympa. Je vais te montrer ça juste après. Je vais déjà enlever ça. On va les mettre là. Je vais enlever les disques pour te montrer un petit peu l'intérieur du steelbook. Qui est quand même assez sympa aussi. Voilà. Donc ici, c'est bien le DVD. Non, là, c'est le DVD, pardon. Voilà, celui-là, c'est le DVD. Et l'autre, c'est le Blu-ray. Voilà, le petit Blu-ray. Il est sorti en 4K. Hein. Alors moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais revendre ma version DVD. Enfin, il faut que je vérifie par rapport au bonus. Il n'y a pas de bonus dessus. Enfin, par rapport au bonus du 4K et du DVD. Si j'ai les mêmes bonus, eh ben, je vais tout simplement revendre le DVD. Je racheterai le film en 4K et je le remettrai dans le steelbook ici pour compléter, vraiment pour avoir une copie ultime. Regarde ici, l'intérieur, on a carrément le jeu ici à l'intérieur. Là, c'est les règles et tout. Et tu vois, ici, on voit déjà tout le débossage qu'ils ont fait au niveau du Jumanji et tout. C'est incroyable. Hein. Franchement, il est magnifique, ce steelbook. Bon, il coûte un certain prix. Je l'ai payé 90€ avec les frais Vinted, les frais d'envoi et tout. Je sais que c'est une somme. Hein. C'est très, très, très cher. Mais là, je suis
tellement fan de ce film et tellement fan de ce steelbook que je le voulais vraiment pour la collection et je suis très content de l'avoir trouvé. Bon, même si je l'ai payé très cher, mais après il était sous blister. Je l'ai déjà vu quasiment au même prix, déblisté et même des fois un petit peu avec des griffes et tout. Donc je préférais mettre un peu plus cher et avoir quelque chose de propre. Alors ici, je vais vous montrer aussi ce qui est dedans, ce qui était offert. Donc on a tout simplement ceci. Donc c'est un dé en carton à monter. Voilà. Donc tu vois, il faut le défaire des trucs ici, c'est tout prédécoupé. Là, on a les 4 jetons pour les 4 joueurs. Car ceci, c'est tout simplement le jeu. Le jeu, je le possède. Hein. Je le possède en vrai. Enfin, en vrai. C'est une réplique que j'ai déjà d'ailleurs joué avec des abonnés, en plus en live, pour le tester et tout. Donc, dans le coffret et tout. Donc, n'hésitez pas à taper unboxing Jumanji. Enfin, jeu Jumanji sur la chaîne. Et vous allez voir l'unboxing. Franchement, c'était un jeu que j'avais acheté sur. Sur Zavi, je crois, à l'époque. Et j'avais payé 160 ou 170 euros, je ne sais plus. Franchement pas très cher parce qu'il est d'une qualité exceptionnelle hein. Avec la belle boîte, enfin dans la boîte et tout, franchement exceptionnel. Et là ici on a le jeu, bon, c'est une imprimaison mais on peut quand même jouer avec le jeu et tout parce qu'on a le petit dé en carton. Bon, le dé en carton on n'est même pas obligé, ça coûte pas cher, tu vois, t'es pas obligé de prendre ce carton là pour faire le dé, mais il est quand même présent. On a les 4 jetons pour les 4 joueurs, donc ça je trouve ça assez cool d'avoir mis le jeu avec, même si c'est qu'on a un truc imprimé, c'est quand même relativement sympa de le posséder dans le Blu-ray pour jouer en famille et tout et se replonger dans l'univers de Jumanji. Hop, on va remettre ça à l'intérieur. Et on a également, avec ce steelbook là, on a également le film qui est offert en digital. Voilà. Je sais pas si le code est encore valable, hein, mais je vais vous le donner le code quand même. Voilà, donc vous suivez les instructions et vous aurez le film en digital légalement. Donc vous pouvez le regarder sur votre ordinateur, tablette ou téléphone en toute légalité. Donc n'hésitez pas à prendre le code. Je sais pas si le code est encore là parce que je vois pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait des dates limites pour le télécharger. Mais bon, si ça peut vous faire plaisir, ben n'hésitez surtout pas à choper le code si quelqu'un veut bien refaire le focus. Oui, un jour peut-être elle fera le focus. Non. Bon, bah aujourd'hui elle a décidé de foutre la merde, voilà. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc vous allez sur le site ici, vous entrez le code et puis après vous suivez les étapes pour créer un compte et vous pouvez télécharger le film gratuitement, les amis. C'est cadeau. Moi, dites pas merci, c'est normal. Et sinon, au niveau des specs. Alors au niveau des specs, là je vais prendre mon téléphone pour avoir. Un petit zoom sur l'image parce que sinon j'ai rien lié encore une fois parce que c'est écrit trop petit comme d'habitude. Alors j'attends que le téléphone se mette en route. Alors, au niveau des bonus par contre là c'est bien écrit. On a commentaire de l'équipe, commentaire de l'équipe sur les effets spéciaux. Effets spéciaux quand même pour l'époque était impressionnant. Aujourd'hui bon il commence à vieillir un peu. On a aussi le livre animé de Jumanji. Lu par l'auteur, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est Chris Van, je sais pas quoi là, mais bon, voilà. Il y a donc une lecture du livre dans les bonus. On a aussi trois futurs sets sur l'envers du décor. On a également une comparaison du storyboard, donc ça c'est assez chouette. Et on a aussi le livre extrême de la nature. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Galerie photo, bande annonce, la série animée. Ah oui, juste ils avaient fait une série animée. Bon, la série animée c'était pas exceptionnel. Et on a également, ah oui, c'est la bande annonce originale de la sortie en salle. D'accord. Sinon, au niveau des langues, alors qu'est-ce qu'on a? Même le téléphone arrive a du mal à faire le zoom, c'est quand même incroyable. Format du film, alors les langues déjà. On a de l'anglais, du japonais en 5.1 DTS Master HD. Et on a aussi du russe en Dolby Surround. Et au niveau des langues, des sous-titres, pardon. On a du français, de l'anglais et de l'anglais pour sourds et malentendants. On a de l'arabe. On a
parce que mon téléphone a vraiment du mal. Du danois, du finlandais, du japonais, d'irlandais, également norvégien, polonais, russe et suédois. Donc au niveau des langues, enfin des sous-titres, on est quand même pas mal équipé. Ensuite, pour le... Là, je pense que c'est le DVD, voilà. Ça a vraiment du mal à faire le focus, je commence à en avoir un petit peu marre. Anglais, français, allemand, espagnol, italien, en 5.1 Dolby Digital, donc ça c'est pour le DVD. Et au niveau des sous-titres, on a du français, anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, néerlandais et turc. Donc voilà, on est quand même bien. Et au format du film, on est bien en 1.35, donc on est en 16.9, quoi, tout simplement. Le film, par contre, là, j'ai pas la longueur du film. Non, là, il n'y a pas la longueur du film, malheureusement. Donc vous voyez, au niveau des langues et tout, bah, on est quand même pas trop mal. Hein. Franchement, on est plutôt bien. Donc, film exceptionnel pour avec un acteur exceptionnel. Hein. Là, je suis en train de me refaire une petite collection de ces films, là. Je vous dis que ça... Je suis très content, j'en ai déjà trouvé quelques-uns là. Donc vraiment assez content d'avoir rentré ce magnifique film, surtout dans ce format-là, avec le steelbook ici. Vraiment exceptionnel. Il est magnifique, donc d'où le prix. Hein. J'avoue que il commence à coter méchamment, mais celui-là, je me devais d'avoir celui-ci dans la collection. Regardez-moi ça, quoi. C'est une dinguerie. Franchement, un travail mais magnifique, vraiment vraiment magnifique. Donc pour moi, je justifie le prix par rapport au travail. Regardez, on a même la tranche hyper bien travaillé et tout. C'est il est propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc très 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 content d'avoir rentré ce film culte, hein, avec un acteur encore plus culte. Je vais vous montrer, j'avais déjà présenté, mais je vais vous le remontrer vite fait. J'ai rentré aussi un de ses meilleurs films pour moi, voilà, Good Morning Vietnam. Dans quelques jours, il y aura encore d'autres films de lui, de Robin Williams, à vous présenter. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à rester branché, parce que là, il y a encore du très très lourd qui va arriver dans les jours à venir. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'était Bikey187 et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.